Au vif du sujet, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est récupérer beaucoup de bois. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bois. Pour mon projet de village qui est au fond là-bas, j'ai besoin de beaucoup de bois. Donc pour cela, on va totalement raser une forêt, pour être honnête. Pour être très honnête. Ouais, le but, c'est de supprimer toute la forêt. Hein. Je vais être honnête, j'ai enlevé toute la forêt. Clairement. Là, je m'arrête plus. J'ai commencé un peu, je m'arrête plus. Toute la forêt va y passer. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Là, il n'y a plus rien. Fini. Je pense, j'ai envie de construire un phare. Là-haut. Imaginez un phare là-haut. Comme ça serait joli. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc on va s'y mettre tout de suite pour déjà la machine à colorant. Ok, pas de problème. Ça marche. Bah, par contre, ouais, je pense qu'on en a assez. On a assez, largement assez des colorants. Ça va être plus qu'assez. Enfin, ouais, peut-être encore plus. Encore plus. On en a jamais assez. On en a jamais assez. Toujours plus. Enfin, remarque, ouais, pour un phare. Ouais. Ouais, je pense que ça fait assez de stacks là. Ouais, ça fait assez, ça fait assez. Heureusement que j'ai récupéré beaucoup de sable de gravier. Je savais que j'allais en avoir besoin un jour ou un autre. Ah! Allez, c'est pas grave. Pas de problème. Ouais. C'est marché mieux que prévu. Tout marche trop bien. Donc ce que j'ai fait donc pour le phare, c'est que j'ai fait une petite machine parce que je vous dis, farmer le béton, c'est horrible. C'est tout simplement horrible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite machine à béton pour solidifier le béton. C'est tout con. En fait, vous mettez les blocs et puis vu que c'est à côté de l'eau, il se solidifie. C'est tout. C'est tout. Ouais, c'est comme ça. Et puis, tout simplement. Donc ouais, c'est bon, j'ai assez farmé le béton rouge à mon avis, pas mal, vraiment pas mal. Taisez-vous! Et puis maintenant, on va avoir besoin d'un peu de quartz ou de neige. Je sais pas encore quel bloc prendre. La neige, ça serait peut-être mieux en fait. On va prendre de la neige, on va prendre de la neige parce que c'est bien plus simple à farm. Regardez, 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 c'est très très simple. On va prendre une citrouille. On va prendre. Si on en trouve, on n'en trouvera pas. On va prendre juste ici. Des ciseaux. On va prendre de l'obsidienne. Un d'obsidienne exactement. Tac. Et puis on va construire ça. Allez, juste ici, pas mal. Tac. Et tac! Voilà! On a notre petit bonhomme de neige, et là, on farme, tout simplement. Donc,
Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire directement, parce que j'ai farmé hein, tous les blocs. Donc on va construire directement le phare. J'ai trouvé un endroit parfait. Parfait pour le phare. On va voir directement où il est. Et puis, je vais vous faire une petite, un petit segment construction. Et puis voilà, on va faire plein de couches maintenant. Voilà, je pense que c'est assez. Comme vous le voyez, oh, c'est très haut. Très très haut. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Voici le phare final. J'ai à peu près fini de le construire. Peut-être que je ferai des améliorations dessus. Peut-être pas du tout en fait. Je pense que j'en ferai jamais. Donc voilà, c'est peut-être la version finale du phare. J'ai fait justement, on va faire une petite visite. J'en suis spectateur actuellement. On va commencer au pont. Regardez, là, vous venez de tout là-haut, d'où vous voulez. Puis donc, vous venez sur le pont, ça faudra casser. Puis vous continuez, vous continuez, vous continuez, tranquillement. Puis ensuite, vous montez sur le flanc de la montagne. La petite montagne, la petite colline, on va dire. On monte, on monte, on monte, on monte. Et puis, on arrive sur un petit pont de bois qui vous emmène directement au phare. Vous montez sur en haut du phare, tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. Puis vous arrivez ici, dans l'entre-cœur du phare, et puis là, vous pouvez observer les environs, tout simplement. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!